Jérémy Van Écoute, vous êtes l'entraîneur d'Atman Deba depuis cet été. Ça s'était bien passé justement cet été en province? Ouais, il a fait un bon été. Il a gagné à Vittel, il a été second à Vichy, il a fait une belle place à Rambouillet. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Sa dernière course à Chartres? Elle était pas très bonne. Donc voilà, pourtant il travaillait bien. Après, on a fait des analyses, elles ont rien révélé. Et puis le cheval, non, depuis, il a bien retravaillé, donc c'est ce qui nous encourage à couvrir. Ce sera déféré que des postérieurs cette fois-ci? Ouais, parce que je pense que c'est la raison de sa mauvaise performance à Chartres. Je pense qu'il a un petit peu une douleur au pied, donc on va courir avec une ferrure très très légère, juste des plaques. Bon, l'engagement est idéal, c'est ce qui vous oblige un petit peu à le présenter? Bah ouais, l'engagement est bon, il n'y a pas d'européen, on est juste à la limite du recul. Maintenant, il y a des chevaux aux 25 mètres qui lui sont bien supérieurs. Donc voilà, il est barré pour les premières places, mais c'est pas une impossibilité pour une 4-5e place, à condition d'avoir un bon parcours. Qu'est-ce qui pourrait justement inciter les parieurs à le glisser en bout de combinaison? Bah, le cheval, normalement, il fait toutes ses courses. Donc voilà, après, il faut avoir la bonne course, courir abattu et puis essayer de prendre une petite place.